Bonjour tout le monde, c'est Letty. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Supermarket Simulator. J'ai rempli les rayons autant que je pouvais, parce que je gardais de l'argent quand même. Et j'ai aussi stocké pas mal pour faire deux jours. On va faire deux jours et une nuit. Deux jours et un emprisonnement. Je pense que je vais marcher comme ça, je vais pas faire 3 jours et 2 emprisonnements, ça durera un peu trop long. Je sais que vous aimez les vidéos longues, je ferai des vidéos longues de temps en temps, mais de temps en temps c'est bien des vidéos genre entre 20 et 30 minutes, un truc du genre, juste 2 jours. Parce que là en fait, j'ai peur que ça soit un peu trop long et redondant, puisque ce qu'on va faire c'est... j'ai payé mes factures. Puisqu'on va faire... Ah non, j'ai pas payé mes factures. C'est up pour avoir de l'argent d'une et pour atteindre le niveau 56 pour avoir la suite des licences. Donc j'ai rempli tous les trucs, on peut tenir deux jours, je peux remplir les étagères au fur et à mesure, ça y a pas de souci. Non, j'ai même du poulet en stock, regardez, elle est là mon poulet. Elle est là. pas mal d'entre vous avaient une bonne idée, c'était de refaire le magasin. Le problème, c'est que moi, je veux bien, mais des fois, par exemple, il y a ce genre de... J'ai plusieurs cartons, parce que je fais pas attention à ce que je prends. Et du coup, quand je touche, regarde, hop, ça bouge. Du coup, à la fin, ça s'écroule. Du coup, en fait, je marche comme ça, surgelé, le lait, le poisson, le pain, tout ce qui est café et thé. Tout ce qui est farine, tout ce qui est bonbons, gâteaux, sucre, sauce. Ici, on a les céréales. Donc, je connais par cœur, quasiment par cœur, mon stockage. Je pense que c'est plus sympa comme ça. 113. Décidément, on voit 113 de partout, quoi. Monsieur, bonjour. Oh, spécial café. Ok. 39,90. Ah, c'est vrai que ça coûte cher le café quand même. Bonjour. Ah, le nettoyant qui est un tue-mouche. Et apparemment, c'est une référence à Nirvana, c'était ça qu'on m'avait dit? Ou Metallica? Je sais plus. Mais pour le coup, j'ai pas la ref. Je suis un dingue de ref, j'adore faire des refs. Mais là, j'avais pas la ref. Moi, c'est de la musique. Moi, niveau musique, j'écoute tout ce que vous aimez pas. Déjà, j'écoute pas de metal, de hard metal, de hard rock, je sais pas quoi. J'écoute pas de rap. La pop. Faut vraiment la trouver. 141,50. Enfin, j'écoute pas de rap FR. Tenez, monsieur. Oui, donc là, voilà, il y a le fromage, l'alcool qui est tout là avec les boissons, produits d'entretien. Pas truc sec là, pâtisserie, les chips, la viande et voilà. Donc je pense que je vais me repérer comme ça. Et plus tard, si les comment s'appelle les étagères sont fonctionnelles avec du personnel, je vais refaire le magasin. Si je dois aussi travailler dedans, si je dois faire les réapprovisionnements, je travaillerai dedans. Donc je vais essayer de reproduire les étagères vis-à-vis du magasin, même si on est dans un petit local. Et puis, ça sera plus simple. Oh, soirée sushi, monsieur. Ok, 58,25. Donc là, on est juste passé 45, il nous reste 11 levels à passer. Je sais pas comment on va faire. J'espère que ça va aller plus vite, qu'on va avoir plus de clients. Tout ça, parce que là... On est arrivé à 55 clients, un truc comme ça. En une journée, le max. On va voir en plusieurs jours. Oh! J'allais lui offrir 40 boules, oui. 49,10. Faut toujours être honnête, les gens. Toujours. Puis apparemment, ah oui, il faut que je parle aussi un peu plus. Quand je suis concentré, en fait, je parle comme ça et j'essaie de comprendre parce que mon cerveau, il utilise tout son hémisphère. Du coup, je parle un petit peu plus doucement, alors il faut que je parle un peu plus fort pour... Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit que le jeu du son était plus fort que ma voix.
Et en fait, le son du jeu pour moi, c'est la machine à... et la voiture qui passe. Donc, si ma voix est plus faible que ça, mais je vais arranger ça. Je pense que je vais m'acheter un nouveau micro. Histoire 2. Et je vais prendre de la bière, manger des cailloux et puis fumer pour avoir une voix un peu plus, plus rock. Oh, il est cool le taxi. J'avais pas vu, il fait de la pub et tout. Monsieur, bonjour. Oh. Hop, 134. 40. Voilà, nickel. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a du soupe là, là-dedans? Je sais même pas. Voilà. On va aller allumer la lumière. Hop. Et bonjour. Enfin, bonsoir, madame. Ouh, ça, c'est un rayon qui me plaît. Enfin, j'adore le sucre d'aron. Vous en faites pas, j'ai vu. Hein, je prends de l'avance sur vos... Attendez, peut-être que j'ai fait une énorme bêtise. Ouais, c'est bon. Je prends de l'avance sur les vidéos. Je vous le dis tout le temps. Enfin, quand les gens me le disent, me le dit. J'arrive, monsieur. J'ai vu, t'as oublié le prix sur le chiffre d'aron et tout. Oui, oui, mais je l'ai remis, j'ai pris un peu d'avance, vous en faites pas, j'ai cherché. Merci beaucoup. Je trouve ça rigolo. Niveau 45, allez, je veux le niveau 46. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il faudrait... Ouais, on va remettre un peu de cornets de glace. Ah, ils sont où, les cornets? Là. Et on m'a dit aussi de mettre en ouvert les machins. Mais ça me stresse qu'ils soient ouverts, en fait. Oui, je stresse pour un rien, ok? Une bière! Ok. Et 20 balles! Ouais. C'est pas un faux billet, monsieur, quand même, s'il vous plaît. Madame, bonsoir. Ah, j'ai bien fait de remettre du lait. Vodka, farine. Il y a un gâteau, vodka, lait, farine. Ah, il doit être très étrange. Du pain russe, peut-être. Oh. Le houmous, il part facilement. Ah bah, j'ai plus d'houmous, tiens. Alors, normalement, il est là. Voilà. Et monsieur... Après la bière, le beurre. Et étrangement, c'était l'agent 4 tout à l'heure. Là, c'est l'agent J. C'est étrange. Mademoiselle, madame, ce que vous voulez, bonsoir. 20 centimes. Alors, c'est toujours pas du lait, hein, ça. Hein, ok. Je vois pas pourquoi vous en prenez 3 bidons, mais ça fait un peu peur. 105. 20. Mais pourquoi les mecs en costard sont les plus radins? Pourquoi ils prennent rien? 20, 60, tenez. Monsieur. Oh, une petite omelette au parmesan, c'est très cool. 46, 70. Ah, punaise, je vais trop vite ou... Ok. Alors, il est 9h, ça va fermer. Nous, on va ranger. Cool. Donc on va faire le maximum. Vu que les boîtes sont au-dessus, on va pas s'embêter, on va tous les faire. Voilà. Ah, dommage. No screen. Ah, ok. Ok. Alors, les jus, c'est tout fait. Poulet. Vas-y, on peut prendre le poulet.
Il en reste un. Il en reste un. C'est pas encore fini, Paul. T'es long, Paul, hein. Il va falloir repartir en formation, mon gars, je te dis. Direct cash. Ça va pas traîner avec moi. Ah, ok. Qu'un seul. Hop. Et on termine la journée. Taille 109, 58 clients. Ok. Ok, 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 ok. On continue. Et c'est le Jujitsu. Oh, le jeu de mots. Jujitsu Soda. Jujitsu Soda. C'est ça? 3,08, on va le mettre à 3,15. 3,15, 3,15, 3,15. On va regarder ce qui manque. Alors, généralement, dans les rayons, la première journée, il manque pas grand-chose. Oh! Le pain. Le pain, le pain, le pain. Est-ce qu'il y en aura assez pour la journée ou pas? Ouais, j'ai envie d'en prendre un autre. On va en prendre un autre. Je sais que j'en ai pas d'autres en mag, donc on va en prendre un autre. Tac, tac, tac. Ouais, ça, je le mettrai. En fait, ça, je peux le... Voilà. Comment dire. En fait, les grosses courses, les gros remplissages, je peux le faire de mon côté pour que vous ayez le moins à subir. Et je vous dis pas, hein, les commandes, je passe genre à facilement une bonne demi-heure à tout remettre en rayon. Tellement il y a de choses. Hein. Alors j'ai peur de comment ça va être plus tard, hein, je vous le dis. Hop, il me faut du bœuf là. Nickel. Puis on a level up, ok, ça c'est cool. Là, attendez, j'ai... Ah non. C'est quoi ça? Les côtelettes. Ok. On va continuer. Le jambon. Nickel. Si les étagères pouvaient avoir un plafond aussi, ce serait vraiment cool. Les œufs, ça part plutôt bien. Il me faudrait peut-être une petite boîte d'œufs de 6. Alors si vous êtes comme moi, quand vous cherchez que vous ne trouvez pas œufs, parce que voilà, faut coller le U et le, enfin le O et le E, bah, vous mettez simplement OU, enfin UF, et voilà le résultat. Hop, voilà. Alors, pâte à tartiner, miel. Est-ce que j'en rajoute ou pas? Oh, je me... bah dans les sucrés. Donc il est par là. Ou pas? Ah, j'en ai pas en stock. Ah ouais. Ah ok. Ok, bon. Je vais en prendre un. Beurre. Miel. Voilà. Céréales. Ouais, ça peut tenir la journée. Donc le pain, ça va. Café. Café, il me faut le noir. Ouais, le noir. Café noir. Quoi, j'ai pas de café noir? No way. Il me faut un petit café rouge par contre. Mais j'ai pas de café noir. On va en commander deux. Hop. Et j'ai pas de thé non plus. Alors. Café. Et thé. Nickel. Les pâtes. Les pâtes, je vais en mettre un paquet. Alors, est-ce que... Oui. J'espère que c'est pas des fonds de boîte que j'ai. J'espère que c'est pas que... Non, c'est bon, nickel.
En plus, ça remplit l'étagère parfaitement. On continue. On a le riz. Ouais, non. Ouais. Les pâtes en boîte, je vais peut-être en mettre, oui. Hop. De toute façon, c'est une boîte entamée. Donc, c'est nickel. Et je vais faire pareil avec le riz. Ah non, c'est ça, les spaghettis. Ah, peut-être que j'ai besoin de spaghettis aussi, non? Ah, pas du tout. Ok. Alors, il est où mon riz basmati? Il est où? Il est là. Il est là. Le riz éco plus, ça va tenir. La purée, ça va tenir. C'est que ça, ça se commandait. Ça, c'est... Ok. Ok. Je me dépêche. Ouais, ça, ok. Oh, la farine, elle a pas été vidée, ok. Le sucre, ça tient. Savon, shampoing. Ah, shampoing, je vais peut-être remettre un... Hop. Il y a ça aussi, je vais le mettre vite fait. Comme ça, hop. Le shampoing, j'en ai pas. Non, il est là. Ça, c'est pas shampoing. Ça non plus. Attends, peut-être que je l'ai mis. Attends. Ah mince. Hein? Il était où? Ah, derrière. Ok. Faut vraiment mettre les étiquettes sur le dessus. Hein. Enfin, sur le côté. Là, c'est vrai que j'avais mis un petit carton de ça au cas où. Parce que la dernière fois, j'ai été assez surpris. Oula, tu vas te mettre dedans, toi, ou je t'en colle une? Je plaisante, je suis pas violent. Ok, là, voilà, je sais que j'ai parlé tout doucement tout à l'heure, enfin, quand j'étais en train de mettre le machin, parce que j'étais concentré en un seul mot, s'il vous plaît. Et je sais pas, on peut pas m'entendre. Enfin, si, on m'entend, mais faiblement. Mais voilà. Je crois pas avoir de... Si, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu ce que je cherchais. Il y en a combien? 4. Ça devrait faire l'affaire. Oh, quoique, on va en prendre une. On va prendre un carton de bière, une fouille. Alors, pourquoi je prends toujours cet accent belge quand je dis une bière, une fouille? J'en sais absolument fichtre rien. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le papier toilette. De la javel blanche et verte, si j'ai. Et ça sera bon. Et ça sera bon. Alors, non. Non. Oui. Hop. Donc papier toilette. Alors, papier toilette vert, on commande tout ça. Et puis j'ai dit quoi? J'ai dit quoi d'autre là? J'ai dit javel blanche. Javel blanche. Donc là on est good. On est good. On va ouvrir. Et let's go. Faut tout mettre avant le premier bip bip d'un client. Hop, c'est mal parti. Je sens que le premier, ça sera pour moi, en plus. Parce que j'ai toujours pas de chance. Vite, 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 vite. En plus, ça veut pas se shotter correctement. Bravo, quoi. Alors, hop. 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 Nickel. Dites-moi, tiens, moi je raconte toujours ma life dans mes vidéos là. Mais dites-moi, c'est quoi votre magasin, supermarché, hypermarché, je sais pas, hein, préféré, chez lequel vous allez,
Et surtout, en fait, pourquoi vous y allez? Est-ce qu'il y a un produit spécial que seul ce magasin-là propose? Alors moi, par exemple, j'ai un petit... comment dire? Je me fais plaisir à chaque fois que je vais à Leclerc, j'achète un truc que seul Leclerc fait, parce que c'est quoi? C'est du café, je crois. Et ce petit truc que j'aime bien, ce sont des lunettes de roman. De roman, je sais pas quoi. Vous savez, c'est ces sortes de biscuits qui ressemblent à une grosse lunette, en fait. Voilà. Deux trous au milieu avec de la confiture dedans. Et ça, mon Dieu, il n'y a que Leclerc qui fait ça, j'en ai trouvé qu'à Leclerc. Voilà, c'était l'histoire de ma vie. La pâte à tartiner. Ok. Oui, j'arrive. J'arrive. Les œufs. Est-ce que vous pensez qu'elle va s'énerver si je la laisse attendre? Et madame, bonjour. Oh, joli panier, ça j'aime bien. Il y a plein de produits. Ouais, ça va peut-être passer les 100 easy. 132,15. En plus, il faut vraiment qu'on ait du pognon, madame. Merci beaucoup. Hop. Et le miel. Voilà. Je vais remplir les bacs là parce que je crois que je les ai pas faits. Voilà. Ça c'est cool. J'arrive. Monsieur, bonjour. Alors 3,90. 1, 2, 3, 50, 60, 70, 80, 90. Une petite céréale, ok. 1,80, 50, 70, 80. Tenez. Ok, je peux continuer à faire mon rangement. Non, ça pas la peine. Non, c'est cette pizza-là que je viens de faire. C'est celle-là que je dois faire maintenant. Nickel. Oh. Les glaces. On met au fur et à mesure, comme ça au moins on perd pas de temps. Les frites une fois. Ah, c'est pareil. Pareil que la bière une fois. Faut toujours que je fasse cet accent belge une fois. J'arrive. Eh madame, bonjour. 107,90 s'il vous plaît. Voilà, merci. Je vais prendre ça. Oui, j'arrive. Monsieur. Ok, rien de suspect. Par deux. Pot de javel, mais je sais pas pourquoi. 10, 20, tenez. Monsieur, bonjour. Ah, vous êtes un fan de feuilleté au jambon? Ouais, moi aussi, j'adore ça. 4,45. 1, 2, 3, 4. Ah. Madame, vos cheveux sont toujours très flamboyants. 18, 10. Oh, il y a la queue pour Simon à chaque fois. Attends, non, ça c'est Paul. Simon, il est là-bas. Paul, t'as la cote. Moi, maintenant, tu vas bosser, quoi. Je vais allumer la lumière, les gens. Hein. Hop, voilà. Personne veut venir? Messieurs, dames? Mesdames, madame, bonjour. Ok. 67,40 s'il vous plaît. Voilà.
Monsieur. Mais regardez, c'est toujours les mecs, enfin les gens avec costard cravate, ils prennent quasiment rien à chaque fois. Là. Quand ils sont hyper bien habillés là, qu'il faut les agents K, J, tout ça, à chaque fois il n'y a pas grand chose. Regardez, là il a pris que du lait. Et par contre, les madames, elles prennent pas mal de choses. Est-ce que le développeur voulait nous dire quelque chose à travers ça ou... Ça me perturbe. 13, 25. Tenez. Madame. Ah bah oui, toi tu bois de la bière et du thé. Quoi. C'est pas dans la bière qu'on infuse le thé, madame. Hein. Monsieur. Et d'après, on a un mec à costard. D'après vous, est-ce qu'il va nous donner quelques petits articles ou un... Enfin, un truc plus... Ouais, c'est... Allez, c'est mitigé, allez, on accorde. 4,80, 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80. Tenez. Madame. On est à 14 000, les gars, on est à 14 000. Hein. 54, 35, et il est 9h. Pardon. 5, 5, 3, 40. Monsieur. 89, 40. Ouais, ça fait beaucoup de beurre de cacahuète pour vous, madame. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ah, bâtonnet. Regardez ça! 3 bières et 2 savons. 13, 55. Allez, bon, je vais remplir les trucs, oui. Ah, pommes de terre, pommes de terre. Encore? Ok. Monsieur, bonsoir. Hop. 100,80. Nickel. Et vous avez vu comment j'arrive à me les mettre bien comme ça? Comme ça, je vois de loin c'est quel machin. Oh, je suis fier de moi. J'en ai pris d'autres de la boisson. Eh! Quel talent. Vous me dites quand vous avez fini, Paul. Hein. C'est le monde plutôt. Ah bah non, j'y arrive plus. Voilà. Cône, frites, poulet, il n'y en a plus. Ouais, hop. Je marque pour la prochaine fois. Du poulet, il en faut 2. Pommes de terre, il en faut 2. C'est bon, t'as fini? Ok. Cool. Et hop, day 110. Ah, un truc trop cher. On se fait du blé. J'ai fait une erreur. Pour ceux qui ne le savent pas, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas encore résolu le problème. J'ai un problème de décalage son. Ce qui fait que, en fait, quand les vidéos sont trop longues, ce qui fait qu'en fait, lorsque je vais ici, lorsque je fais le marché, ou que je paye mes factures, ou que la fin de la journée est faite, et que j'ai l'écran avec le résultat, à ce moment-là, en fait, je fais une coupure d'enregistrement pour éviter que la vidéo soit trop longue, enfin le rush soit trop long, et pour éviter au maximum les problèmes de décalage de son. Là, par exemple, dans la vidéo que vous venez de voir, le début, j'en ai fait 2. Et je pense que vous les avez pas vus. Et voilà. Et là, je me suis dit, allez, on va faire encore une troisième journée pour vous faire plaisir. Le seul problème, c'est que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Et du coup, j'ai fait la journée sans vous.
Voilà, je suis désolé. C'est une erreur de ma part. J'ai pas fait attention. Je pensais que que c'est enregistré. J'avais appuyé sur les bonnes touches. Mais non. Du coup, en fait, j'ai été dévalisé, clairement. Niveau sucre, sauce, sel, poivre. Là, ils se sont donnés à cœur joie. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais remplir les stocks en off. Et on va continuer. On a du pognon. J'espère que la prochaine fois, on va réussir à avoir. Combien il nous faut pour l'agrandissement? 24 600. J'ai même pas payé mes factures, vous voyez. Des 115. 511. Donc j'espère qu'on aura assez pour l'agrandissement la prochaine fois. Et puis voilà. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Donc j'ai fait une journée, hélas, sans vous. J'ai été un peu dévalisé, mais tout s'est bien passé. On avance, on est 45 et demi. Demain, enfin la prochaine fois, on sera 46. Et j'espère qu'on aura agrandi au moins une fois le magasin. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.